pèse 50 grammes à peine, le gravelot à collier interrompu, ce tout petit oiseau vulnérable construit en ce moment son nid sur les plages normandes. Attention à ne pas poser les pieds sur les œufs, ils sont minuscules et dissimulés dans les dunes. À Hermanville, dans le Calvados, nos journalistes Esther Habitbol et Simon Derien ont suivi un groupe ornithologique qui veille à leur protection. Avec leur couleur proche de celle du sable, les gravelots sont presque invisibles à l'œil nu. Les adultes ne mesurent pas plus de 15 cm et jamais loin d'eux leur poussin, né il y a quelques jours à peine. Elle nous voit et je crois qu'il va falloir qu'on se pousse, c'est dingue. Pendant la période de nidification, Viviane vient repérer les nouveaux nids tous les jours. On repère les couples sur la plage. Quand ils sont statiques, justement, on les voit faire des petites cuvettes. Et là, on se dit, ah, on marque les cuvettes avec des petits bâtons et on se dit, bah tiens, demain, on reviendra. Donc, on revient le lendemain. Des fois, on retrouve des œufs à côté de nos bâtons ou pas. Une vingtaine de couples s'est établie sur la plage entre Ouistreham et Lyon-sur-Mer. Les œufs sont pondus à même le sable et se rendent ainsi vulnérables à la présence humaine et aux prédateurs comme les corneilles. C'est vrai que les gens ne sont pas habitués à cohabiter avec des oiseaux sauvages. Et c'est pour ça qu'on a mis en place un certain nombre de protections. Pour essayer de maintenir l'espèce en fait, parce que si on ne protège pas l'espèce, on sait que les populations vont s'effondrer en Normandie. Avec ces protections, un petit gravelot a 5 fois plus de chances de survivre. La sensibilisation des promeneurs est aussi un outil important. Quand on ne connaît pas, qu'on peut vite marcher dessus. Donc c'est très bien expliqué, c'est très mimétique, ça ressemble à des ours, ça ressemble à des galets. Donc même pour les enfants, des choses comme ça, faire attention. En lien avec les associations, l'Office français de la biodiversité veille également à la préservation de l'espèce. Votre chien vient de courir après un des adultes, jusqu'en bord de mer. On a vu, c'est pour ça qu'on l'a rattaché. Donc vous avez eu le bon réflexe. Grâce à ces actions, la population de gravelots à collier interrompu est stable ces dernières années, avec 250 couples dans le Calvados et la Manche.